Bonjour. Je vais vite. Je serai en live le week-end. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, bonjour, bonjour, bonjour. Je fais ce petit live là maintenant pour souhaiter les sincères condoléances au peuple ivoirien. Sincères condoléances à tous les abeilles de la Côte d'Ivoire pour ce qui se passe. Ouais, pas parce que quelqu'un a mon numéro, c'est comment non? Oui, allô? 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 Donc, sincères condoléances au peuple ivoirien, à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique tout entière. Amel Bakayoko, il était un ange. Il était le dieu des artistes. Il était quelqu'un de bien. C'était un ministre qui était avec tout le monde, qui était avec le bas peuple, qui allait en boîte, il vivait. C'était un viveur. C'était un viveur. Mes sincères condoléances. Je ferai un live spécial. Pour le moment, comme je vous ai dit, je ne suis plus trop sur les réseaux sociaux. Déjà, un, la page a été piratée. Deux, je suis très occupée en ce moment. Et tout. Donc, vraiment, mes sincères condoléances au peuple ivoirien. Et je voudrais profiter ce matin pour dire aux Camerounais, que le président Paul Biya, je dis Ayop, si quelqu'un a la tenue du RDPC, envoyez-moi ça, je vais commencer à porter dans mes lives. Parce que le président Paul Biya, c'est un président qui ne tue pas. C'est un président qui n'empoisonne pas. Quand tu fais ce qui n'est pas bien, tu pars en prison. Mieux la prison que la mort. Regardez autour de vous, vous les Camerounais. Regardez les autres pays africains. Comment ils prennent le poison des Russes pour amener, pour tuer leurs gens en Afrique parce que le pouvoir est sucré. Pour qu'on commence à dire que c'est le cancer. Mieux la prison. Donc à partir d'aujourd'hui, de maintenant à l'instant où je vous parle, non. Je suis du RDPC jusqu'à demain. Le président Paul Biya, c'est un bon président jusqu'à... C'est un bon président. C'est quelqu'un qui aime son peuple. Le président Paul Biya aime le Cameroun. Aime les Camerounais. Oui. Regardez en face. Comment on écrase les autres. Mieux on te prend, on te met en prison que de t'injecter le poison des Russes. Oui, je ne prononce pas les noms. Parce que tout le monde sait qu'elle n'a poison. Donc, qu'il, Dangman, n'a poison, donc il y a dit assumer. Dendo empoisonné y. Fossi cassé. Dans Russe, Ibigdaï, le russe là, qui est, on l'avait empoisonné, on l'a soigné en Allemagne. Moi, quand j'entends Allemagne, je vois le poison direct. Je ne discute avec personne. J'assume ce que je dis. Quand je vois hôpital en Allemagne, si tu réfléchis bien, tu vois que c'est le poison. Pourquoi les Africains n'aiment pas dire la vérité? Les Africains n'aiment pas dire la vérité, pourquoi? Quand Vladimir Poutine a monté son coup contre son concurrent là, tout le monde a dit qu'on l'a empoisonné et qu'on l'a soigné en Allemagne. Vous tournez, vous tournez. Vous qui envoyez les têtes de mon nom. Je vous emmerde. Vous comprenez, non? Je dis que le président Biya, c'est un bon président qui aime le Cameroun. Oui. Parce que mieux mettre les voleurs d'Afrique en prison. Mieux mettre ceux qui veulent le pouvoir en prison que de les tuer avec le poison. Oui. Mafo, tu as déjà fait l'autopsie. Maman, on a besoin de l'autopsie. On est sur Facebook, chacun analyse, non? Dindon Kilié. Président Paul Biya, ayop. Vraiment, les Africains.
Vous pensez que Ahmed Bakayoko, il était malade quand? On n'a jamais entendu que quelqu'un est malade. Quelqu'un est grand debout comme ça. Quelqu'un est debout, 2 mètres. Vous entendez qu'il est mort. Apprenez à réfléchir. On l'a tué. Je n'étais pas là-bas. Mais je dis. Le président Paul Biya n'est pas un assassin. Parce que s'il était un assassin, c'est que où que tu sois, on t'injecte le oui, tu dailles. Oui. Oui. Ayop. 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 Les Africains, le pouvoir, c'est quelque chose. Vous chassez tout le monde, il reste en exil. Si tout le monde se vide le pays, vous allez rester fait quoi? Paul Biya Ayop. Que quoi? Je dis qu'un. Heureusement que tu analyses seulement. Paul Biya Ayop. Fiche le camp aux gens. Mangez votre quoi? Combien de personnes sont déjà mortes là-bas? Ça fait combien de personnes qui daillent en Côte d'Ivoire au puceau, au sommet de l'État? On dit que, à l'heure où on vous parle, que le premier ministre qu'on vient de mettre en Côte d'Ivoire, il est malade. Il a eu l'arrêt cardiaque. Donc, il a eu. Il est maintenant en route, en train de venir à Paris se soigner. Ça fait seulement quelques jours qu'on l'a mis là. Parlez ce que vous voulez. Ayop. Ayop. C'est pour vous là-bas. Si vous voyez qu'elle veut déjà aller au pays, ça fait quoi? Qu'est-ce qui m'empêchait d'abord d'aller au pays? Elle veut déjà aller au pays. Elle fait déjà Ayop. 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 Ah, faut Ayop. Deux ministres me. J'ai dit que. Yop. Colonel qui. Colonel Watao Edaï. Présent Babou Ayop. Présent Babou Ayop. Ayop. Présent Guabo. Ayop. Il y a un qui est en exil là. Comment on l'appelle? De la Côte d'Ivoire. Un jour, il voulait rentrer. On a dit qu'il n'entre pas en Côte d'Ivoire. Comment il s'appelle? Il s'appelle. Donnez-moi son nom. C'est lui qui est très puissant. Guillaume Soro. Soro Guillaume, Ayop. Soro Guillaume. Guillaume Soro. Tu sais ce qu'il a fait. Nous, on veut rentrer à Abidjan. Soro Guillaume. Fais le travail. Soro Guillaume, ne regarde pas. Ne reste pas ici en Belgique. Tu vois ce qui se passe. Fais tout, tu descends. Comment? Dès que j'attendais. Soro Guillaume, Ayop. Il faut rentrer à Abidjan, nous libérer le pays. Parce que moi, je vais m'installer en Côte d'Ivoire bientôt. Que ce haut Guillaume rentre au pays, à Babi. Oui, comme c'est comme ça. Guillaume Soro, comme c'est comme ça. Monsieur Soro Guillaume, comme c'est la force, il faut rentrer à Abidjan. Tu peux passer par le Cameroun. Nous allons te soutenir. Oui.
que Guillaume Soro passe par le Cameroun, il entre à Abidjan. Et nous sommes derrière lui. C'est comme ça. Bon, on fait comme ça, bisous, non. À ce week-end, bisous. Bye bye. Que quoi? Qui avait raison? Qui avait raison? Qui avait raison? Qui avait raison? Tu dis que Pas Sabo, quelqu'un dit que Pas Sabo avait raison, que je suis du RDPC. Et alors, je suis du RDPC. N'importe quoi. Vous aimez toujours quand ça tourne. Je comprends pourquoi. Que je suis agent secret. Parle ce que tu veux. Vous n'aimez pas quand quelqu'un. Je dis que tu dis que tu comprends pas Pas Sabo, que je suis agent secret. Oui, je suis agent secret. Tu ne savais pas. Yeah, je suis agent secret jusqu'à demain. Oui, je suis agent secret. Je suis des services secrets. Je suis du service secret. Tu ne savais pas. Donc, on m'a donné les points. Je dis que Pas Sabo avait raison que Fleur de Lille est agent secret du régime. Tu ne savais pas. Je suis double agent secret. Chouane. Imbécile, va. N'importe quoi. Pas Sabo avait raison. Tu es agent secret. T'inquiète, la vidéo reste. Oui, je suis agent secret. Tu parles pas de la politique, efface le dire. Je n'efface pas. Arrêtez de me donner les ordres sur Facebook. Hein. Vous les fans là, arrêtez. Parce que c'est vous qui faites même que je ne peux même pas lancer le direct. Dès que quelqu'un veut parler, oh, ne te mêle pas de ça, ne te mêle pas de ça. Putain, mais allez vous faire foutre à la fin. Merde, c'est vous qui mettez ma connexion. Non, je ne peux pas parler de quelque chose. Hein. Oh, vends tes produits, ne parle de rien. Maintenant, alors que je ne fais plus les directs, alors, allez où vous voulez. Un petit truc, non, ne parle pas de ça. Vous ne, écoutez-moi très bien. Que ce soit la première, la dernière fois, vous ne me dictez pas ce que je dois parler. Ne me dictez plus, parce que quand c'est trop, c'est laid. D'accord? Ne parle pas de ci, ne parle pas de ci. Si tu parles de ci, c'est le clash. Si tu parles de ci, mais fichez-moi la paix. Ne faites pas, je vous parle mal. Hein? Ne faites pas, je vous parle mal. Koflod, il manque le respect à ses fans. N'importe quoi. Eh, hey, mouf. Vous voulez la sauvagerie? Non, je serai sauvage. Parce que quand quelqu'un est respectueuse, vous croyez que... N'importe quoi. Ne parle pas de ci, ne parle pas de ci. Un petit truc, ne parle. Moi, ça ne marche. Arrêtez de me faire la dictature. C'est pas vous qui m'avez mis sur les réseaux sociaux. Tout le temps, oh, Flo fait ceci. Elle exagère. Putain, c'est vous qui mettez ma connexion. Tous les jours, non, ne parle. Maman, quand les gens m'apportent les sujets, même, hein, j'ai même peur de venir développer les sujets sur Facebook. Toujours parce que les gens vont dire, il faut que je devienne comme avant, sauvage. Parce que c'est ça qui marche en fait. Parce qu'avant, quand j'avais mon sujet, je viens, je parle. Non, il faut vendre tes produits, il faut vendre. Non, ne parle pas de ci. Tu sais, il ne faut pas parler de ci. Il ne faut pas. Non, si tu ne parles pas, tu vas parler de quoi alors? Ok, c'est bon alors, je ne parle plus de rien. Non, ça ne te regarde pas. Un petit, ça ne te regarde pas. Vous m'aimez plus que moi-même. Il y a les chantiers comme ça. Mais je ne peux même plus faire les chantiers. Parce que vous êtes que... Je veux même commencer un chantier. Non, hein, tu sais, ne te mêle pas. Un petit... Non, tu sais, ne te mêle pas. D'accord, je ne me mêle plus de rien. C'est mieux, non? Comme ça, c'est bon, non? Ok. Je ne me mêle plus de rien. Est-ce que vous voyez, j'ai même encore la motivation de faire les directs? Non. Parce qu'il y a toutes les personnes que... Surtout quand tu remarques les gens que tu sais qui sont de la team. Non, tu sais, il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Mais putain, mais les gens sont libres. Non, mais attendez. Il y a les chantiers pleins. Il y a des sujets. Mais Fleur de Lille ne peut plus parler parce que...
On la soutient. Quand on parle, elle n'écoute pas. C'est pas parce que vous soutenez une personne que vous allez croire que vous allez me dicter. Non. Non, c'est pas parce que quelqu'un se lève et te donne un rouge à lèvres que quand il va commenter, il veut que tu marches à son sens. Non. C'est pas vous qui m'aviez amené sur Facebook. Je suis libre de parler et j'assume. Quand je parle d'un truc, ça ne vous plaît pas. Vous partez ailleurs. Oh, elle manque le respect à ses fans. Non, mais sérieux. Parce que ça devient quoi? Vous connaissez depuis combien d'années je suis sur les réseaux sociaux? Non, je ne suis plus libre. Hein. Je ne suis pas libre, je vous dis la vérité. Si vous voyez, je reste même fait plus les directs parce que je ne suis pas libre. Quand j'ai envie de parler d'un sujet, oh les messages, encore que mon numéro est même là-bas. Ouais, ma faute, on ne veut pas que tu parles de ça. Vous voulez que je parle de quoi? Moi, j'étais quelqu'un de libre. Hein. Je préfère qu'on ne me donne rien, mais je suis moi libre. Sincèrement. La qualité qu'on donne un bonbon à quelqu'un commence à dicter la personne là vraiment mieux. Hein? Non, quelqu'un te donne un bonbon. Oui, j'avais donné un bon cas à Flo de lui, maintenant je lui parle. Elle n'écoute pas les gens. Non, mais sérieux, laissez-moi tranquille. Putain, merde. C'est quoi? C'est quoi avec vous? Non, un petit sujet. J'ai les sujets comme ça, mais je peux parler. Parce que, oh, tu as parlé. Oh, c'est bon, non? Ouais. Non, tu vois un peu. Je vous laisse.